Cette semaine est enfin sorti sur nos consoles le tant attendu Rocket League. En plus du jeu, il sera possible de débloquer deux véhicules. L'Armadillo de Gears of War et le Warthog de Halo. Vous allez pouvoir vous défouler, j'en suis certain. Une nouvelle mise à jour pour votre Xbox One est également disponible dès à présent. Au programme, vous pouvez maintenant voir qui est dans un groupe d'amis avant de le rejoindre. Vous avez accès à un classement de vos amis selon leur gamer score. Vous pouvez aussi déplacer manuellement la position de vos épingles ou encore avoir de nouvelles informations dans le flux d'activité. Bien évidemment, beaucoup d'autres nouvelles fonctions sont disponibles et pour y accéder, un simple téléchargement suffit. Si vous n'aviez pas eu l'occasion de tester la bêta fermée de The Division, pas d'inquiétude, celle-ci est maintenant ouverte à tout le monde et disponible eh bien, dès maintenant. Si l'aventure vous intéresse, dépêchez-vous de la télécharger, celle-ci s'arrête le 21 février. La seconde partie des Game with Gold du mois est enfin disponible. Hands of Fate reste gratuit jusqu'au 29 février et Styx Masters of Shadow devient disponible. Sur Xbox 360, c'est Gears of War 2 qui est téléchargeable gratuitement, alors n'hésitez plus à en profiter. Cette semaine ont eu lieu les Writers Guild Awards, une cérémonie qui, comme son nom l'indique, célèbre le travail des scénaristes. Et Rise of the Tomb Raider a remporté celui du meilleur scénario de jeu vidéo. Une belle récompense pour l'équipe de Crystal Dynamics. Fable Legends continue de nous présenter ses personnages, et cette semaine c'est une femme qui est à l'honneur. Céleste est un personnage de soutien, capable de pilonner les ennemis avec un rayon de lumière. Elle est aussi présente pour soigner ses compagnons, et surtout, elle a la faculté de les rendre invisibles. Un véritable atout pour mettre à mal ses ennemis. Une bêta pour Fable Legends est attendue au printemps prochain. Far Cry Primal est attendu chez nous le 23 février prochain, et si vous commandez le jeu, une petite surprise vous attend. En effet, vous aurez accès à une mission exclusive, la légende du mammouth. L'occasion de contrôler la bête et de vous attaquer aux tribus d'humains à grands coups de défense et de trompe. Un bel exemple d'utilisation de la faune locale pour faire des dégâts. La plateforme Hulu vient de produire et de réaliser une nouvelle série avec en tête d'affiche James Franco. Adapté du roman de Stephen King, 11-22-63 nous plonge dans une aventure temporelle pour éviter l'assassinat du président Kennedy. Le premier épisode est accessible gratuitement sur Xbox. Pour le voir, pas besoin de compte Gold ou d'abonnement à Hulu, il vous suffit de vous rendre sur l'écran principal de votre console. Et si vous souhaitez poursuivre l'aventure, vous pouvez aussi essayer gratuitement l'application Hulu sur votre console. Layer of Fear est également disponible. Ce jeu ID at Xbox nous propose de plonger dans l'esprit malade d'un peintre du 19e siècle. Un jeu d'épouvante qui vous plaira si vous aimez les ambiances pesantes et les cauchemars. Cette semaine, les bons plans Gold nous proposent de jouer à Rise of the Tomb Raider avec une réduction de 75% sur sa définitive édition. Oddworld est lui à moins 60%, l'occasion de poser les mains sur ce classique du genre, et Madden NFL 16 profite quant à lui de 50% de réduction. Voilà pour les news de cette semaine, on se retrouve sur les réseaux sociaux avec le hashtag Xbox TV, et en attendant, bon jeu à tous, et à très vite.